Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Rally Raid. On va tester la 205 comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature. La meilleure voiture de Rally Raid qui pulvérise tout, hein, de toute façon que ce soit dans le multijoueur ou dans le ou dans les simites ou dans les playlists. Elle pulvérise vraiment tous les records. Mais le seul problème c'est qu'on n'a pas vraiment de course de Rally Raid. On en a qu'une seule sur toutes les playlists. Et je suis en train de la faire actuellement pour vous parler, pour avoir un gameplay en fond. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des courses qui peuvent être très cool. Ils ajoutent plein de playlists comme des playlists de drift, des playlists de street, tout ça. Mais pensez à mettre des playlists sur les playlists, bah, sur les catégories de voitures que vous mettez en fait. Et pas mettre une course par-ci, une course par-là. Faites des playlists des deux pour les gens qui veulent farmer ou pas la peine de tout le temps faire les mêmes courses ou autres. Donc là on va faire cette course aussi pour avoir un temps de référence du coup. Après, je suis pas le meilleur pilote hein. Je suis pas le meilleur pilote non plus. Mais je sais qu'elle est devant la C3 et la Countryman. Donc pour ceux qui font pas mal de grand race, ben, n'hésitez pas à prendre la 205. Ceux qui l'ont sur The Crew 2, ben, qui ont The Crew 2, pensez à l'importer. Ou acheter la sur The Crew 2, ce sera plus rentable de l'acheter sur The Crew 2 en sachant qu'avec les courses intervention et unis vous farmez rapidement et comme ça vous gardez vos bugs pour les véhicules qui sont exclusifs à Motorfest. C'est ce que moi je fais. Donc là on va couper et comme ça vous voyez à peu près hein, on est à 150 grand max 160. J'ai pas fait attention parce qu'on a été à beaucoup plus vite on arrive à monter à 180 quand même. En sachant que là je roule comme un cochon. Et on n'a pas de pièces, on n'a rien sur le véhicule. On peut couper, on peut couper là. Ouais. Oui, non, ça se passe. Voilà, comme ça, vous avez vu le tracé, j'ai roulé comme un cochon, hein, mais de toute façon je vais rouler pareil avec la DS5 je pense. Voilà, je suis le 13ème de ma liste d'amis. On va passer avec la voiture en question en rallye. Et elle est là. Donc je vous montre les réglages après la course comme d'hab. Pour les puristes de la 205. Ça a un très beau bruit. Vous voyez, on est déjà pratiquement à 230 sur de la terre, c'est... Et encore, j'ai même pas le 7 double nitro là, je suis sur le 7 pulvé de pain. Pulvériseur de score. Oh merde.
Même si ça va être assez large. Donc pas énormément, j'essaie de faire au plus vite. Oui. Parce que moi je roule comme un cochon, mais si on veut bien rouler, elle est très bien. Vous voyez, elle... elle est un peu plus... compliqué à gérer du coup avec les réglages, mais elle a une bonne vitesse de... elle a une bonne vitesse de pointe, elle ça sent si bien pour de la grande race. Si vous êtes dans les tops, le trois quarts ils prennent pas les virages, ils vous tapent dedans, donc vous devrez repartir assez vite. Allez! Ouais, sur le pot 2, c'est les deux boutons, et là c'est pas grave. La pauvre, elle a poussé. Du coup, vous voyez, hein, j'ai pas bien roulé. J'ai des amis qui sont très bons pilotes, hein, quand on regarde dans les... dans mes trucs d'amis. Ah, comment on fait? Voilà. Vous voyez, on est dans personnalisé. Hein. Donc c'est des... Pourquoi ils l'ont fait en drift? Et vous voyez, top monde, je vais vous montrer un hein, top. Le top. Le top, c'est... Voilà. 2-13. Pourquoi il indique un 2-9 monde. Ok, non, parce que j'étais sur la plateforme. Voilà. Vous voyez. Top 5, c'est pratiquement que de la T16 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que de la T16. Donc pensez à la jouer. Je vais vous donner les réglages là. Et elle a un bruit, oh, j'adore. Regardez, elle a une vitesse de pointe dans la terre, c'est une dinguerie. À 200, elle a aucune comp, elle a aucune difficulté. Aucune, elle y va tranquille. On peut drifter, on peut la reprendre, on peut faire ce qu'on veut. On saute, elle, elle perd pas tant de vitesse. On va essayer de passer là dans l'eau. On passe dans l'eau, on peut sauter directement. Voilà. Vraiment une très bonne voiture. Donc je vous montre les réglages pro tout de suite. Alors véhicule. On est sur les réglages pro. Alors vous mettez 0, 20, 80. 0 0 51 49 0 0 0 suspension ressort avant moins 9 ressort arrière
plus 4, ressort, ma compression amortisseur avant, 7, bah moins 7, plus 3 en compression d'amortisseur arrière, rebond avant, 9, rebond arrière, 19, barre anti-roulée, 10, avant-arrière et alignement, comme toutes les voitures, 0,25, 0,25. Donc, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner. Excusez-moi. À vous abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.